is to be with you. You are my one true love. Taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa Mustafa. Voilà, bonjour amis Boudoka, amis de CNC, et merci de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, on va parler taekwondo, trois idéogrammes. Taekwondo, la voie des pieds et des poings. Ou à l'Institut islamique Rahman, la miséricorde. Un beau prétexte parce que tout simplement, on est à la veille de la célébration du Mauloud. Que le bon Dieu, dans sa miséricorde infinie, alors, nous accorde toutes les faveurs, toutes les grâces. Hein. Donc, on s'est déplacé à l'école islamique Rahma. Hein. On a reçu la visite d'une championne olympique franco-canadienne. Il s'agit de Mademoiselle Marlène Artois, accompagnée de notre champion national Baladje. Taekwondo, ceux-là que j'appelle affectueusement les combattants volants. Sensei. Championne ak champion ou taekwondo qui est championne de France 2010, 2011 et 2012. Donc, on est avec Madame Ndiaye, secrétaire générale de l'Association des parents d'élèves. Donc, Madame Ndiaye, aujourd'hui, à cette manifestation ici au niveau de l'école islamique Rahma, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la manifestation? Bonjour tout le monde. C'est une très belle initiative d'associer les études et le sport. Et c'est la raison pour laquelle nous tous nous aimons Rahma. Moi, je suis la secrétaire générale de l'Association des parents d'élèves. La venue de Marlène ici va encourager les élèves à mieux se donner dans le sport, surtout le taekwondo, que Rahma a inséré dans les études au niveau de l'école. Donc je trouve que c'est une très 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 belle initiative et vraiment nous souhaitons que cela continue. Et donner aussi de très très bons résultats au niveau national, pourquoi pas.
avec le directeur de l'école islamique Rahma. Il s'appelle M. Ousmane Ndiaye. Ousmane Ndiaye, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah sensei. En milieu vraiment musulman. Donc voilà, aujourd'hui vous avez invité cette grande championne à cette manifestation que vous organisez au niveau de votre établissement. Qu'est-ce qui a motivé justement la pratique du taekwondo ici dans cette école? Bon, on a toujours cru au sport, donc on nous y a baigné dès le bas âge. Moi-même, je faisais du judo pendant 10 ans, toute ma famille en faisait. Mon frère, ma soeur étaient championnes du Sénégal. Donc c'était tout naturellement que j'ai pensé à inclure le sport à l'école quand on a créé une école. Et Dieu a fait, alhamdoulilah, on a rencontré Fagnon Dieye, la soeur du champion Balé Dieye, qui a formé toute cette génération. Qui nous a vraiment donné le goût du taekwondo et par son professionnalisme, qui ne nous a pas fait regretter notre choix. Est-ce qu'on peut espérer que le taekwondo continue, qu'il y ait encore, pourquoi pas, les autres arts martiaux dans votre établissement? Exactement. Comme j'ai dit, moi, j'ai le judo déjà dans le sang. Oui. Bon, parmi les parents d'élèves, il y en avait qui faisaient du Viet Vu Dao, etc., ou de l'aïkido. Donc on était très ouverts, on souhaitait même que le personnel fasse des cours avec les maîtres. Et donc c'est comme on vous voit, vous, Yatma et tout, on sait que tous les arts martiaux, c'est une même famille. Et ce serait avec plaisir qu'on ait plusieurs sections, Inch'Allah. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, vous allez récidiver certainement l'année prochaine, organiser encore une manifestation de ce genre. Inch'Allah, on souhaite que vous nous appuyez. On sait que vous êtes les fers de lance. Yatma vient d'en parler avec nous aussi. Et vraiment, on est partant pour vraiment mettre le taekwondo et les arts martiaux en général au devant de la scène, parce que peut-être que les Sénégalais sont des sportifs dans l'âme pour les arts martiaux particulièrement. Et il faut qu'on donne un peu plus de visibilité, qu'on vraiment les aide, qu'on les pousse, pour avoir vraiment beaucoup plus de satisfaction, des médailles d'or, pourquoi pas aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde. On souhaite bonne chance à Bala pour sa compétition à venir et que tout le monde prie pour lui, Inch'Allah. Salam alayka, ya Rasul, salam alayka,
avec les deux champions, Bala Dieye qu'on ne présente plus au Sénégal. Bala, qu'est-ce qui a motivé l'arrivée de Marlène, cette championne olympique canadienne, aujourd'hui chez toi? Bon, déjà, je vous remercie, Sensei. Et puis, je remercie aussi la DSS TV. Et ce qui a motivé Marlène, moi, ça m'a surpris parce qu'il y avait Anthony Obame qui était de passage ici au Sénégal pour recevoir un prix de la Fondation Abdou Diouf. Et moi, j'étais sur le point de partir le 10 décembre et Marlène m'avait envoyé un message comme quoi qu'elle va venir ici au Sénégal. Et du coup, moi, j'étais très content de recevoir ici Marlène parce que c'est une médaille olympique. Et en plus de ça, au Sénégal, on rêve d'avoir ces genres de champions venir ici visiter notre pays. Et puis, ce qui m'a poussé le plus, parce qu'elle m'a parlé dans le volet humanitaire, dans le volet scolaire et tout ça, c'est une des valeurs des arts martiaux, parce que l'art martiaux, c'est pas seulement de combattre, c'est pas seulement de donner des coups, c'est aussi le volet éducatif. Et puis quand Marlène m'a parlé de son projet de venir ici au Sénégal, rencontrer les enfants, partager son esprit olympique et tout ça, même moi j'ai besoin de ça parce que c'est une médaille olympique, c'est la seule médaille qui me manque. Et puis elle a beaucoup d'expérience et puis c'est une très grande championne. Et puis comme elle fait du taekwondo, j'ai dit c'est un honneur pour nous de la recevoir ici au Sénégal. Et voilà, c'est ce qu'elle a poussé ici de venir ici au Sénégal. Voilà Bala, où est-ce qu'il en est, avec sa carrière, hein? Bala, je me souviens, une fois on s'est parlé au téléphone, il y avait eu une compétition à Paris de taekwondo, mais ta carrière, Bala? Je suis toujours dans la logique de préparation pour Rio 2016 avec la fédération. Et puis là, actuellement, la saison est terminée. J'ai une semaine de vacances seulement. Depuis un an, je n'ai pas eu de vacances. Et là, j'avais une semaine de vacances et je profite pour partager cette expérience avec les jeunes taekwondoïs et tout ça. Et à partir de semaine prochaine, je commence la préparation hivernale pour préparer la saison prochaine. Que j'ai une saison très très lourde l'année prochaine parce que j'ai les championnats du monde, j'ai les Jeux africains, j'ai les qualifications olympiques. Et je dois y aller aussi pour aller chercher des points, pour notamment la qualification vers Rio. Donc on a une année très 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 chargée l'année prochaine. Là j'ai une semaine de repos. Il faut que je laisse un petit peu mon corps reposer parce que ça fait un an très très difficile où on ne s'arrête pas et on n'arrête pas des compétitions. Chaque mois, presque on a deux ou trois compétitions de très très haut niveau. Donc là, ça fait du bien de rester au Sénégal, profiter un peu avec Marlène, discuter avec les enfants, discuter avec les combattants, échanger un petit peu, ça fait du bien aussi. Oui, mais on sait Bala aussi que compétir sur le plan international demande beaucoup de moyens. Est-ce que les moyens suivent pour la préparation? Bon, actuellement, la fédération et le comité national olympique sont en train de mettre en place sur la gestion de l'élite. Actuellement, je bénéficie d'une bourse olympique avec le comité national olympique et moi, je viens de recevoir le trophée de sport vertu de la fondation Abdou Diouf, où j'ai rencontré le chef de l'État qui m'a promis de me soutenir dans cet élan-là, c'est-à-dire la course vers Rio. Et je suis très honoré et très content, en plus de motivation pour moi dans les échéances qui vont venir. Et puis je pense qu'en fait, j'ai du pain sur la planche. Parce qu'actuellement, tout le Sénégal rêve une médaille olympique, tous les sportifs sénégalais rêvent une médaille olympique. Je ne suis pas le seul, il y a d'autres athlètes aussi qui sont dans la même lancée que moi. Et puis le haut niveau demande beaucoup, beaucoup de moyens. Et moi, je me bats pour mon pays, je vais essayer de chercher les moyens pour aller décrocher quelque chose. Malgré c'est difficile, on fait appel aux autorités, les sponsors, tout le monde pour soutenir les sportifs et en même temps aussi les arts martiaux. Parce qu'il n'y a pas que le taekwondo, il y a le judo qui est une discipline olympique, il y a la lutte gréco-romaine qui est une discipline olympique. Tout le monde a besoin de moyens et moi je pense que si tout le monde est main dans la main, on peut avoir quelque chose. Merci champion. Merci beaucoup. Et bon vent. Et quand je vois une aussi belle initiative que l'école, ça me fait chaud au cœur. Et j'ai débuté le taekwondo, j'avais 4 ans. Je l'ai réalisé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et je tenais à venir partager la médaille olympique avec vous aujourd'hui pour vous dire de croire en vos rêves, que tout est possible et d'avoir une passion et d'aller au bout des choses.
avec la championne olympique Marlène Artois, aujourd'hui au Sénégal. Marlène, je vais vous demander votre sentiment. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Heureuse. C'est vraiment c'est un immense bonheur d'être ici, de découvrir, d'apprendre, de m'ouvrir à une nouvelle culture. C'est ma première fois en Afrique. Et quand je vois une aussi belle école et de partager l'expérience olympique, pour moi c'est un bonheur. C'est les valeurs de l'olympisme, c'est le partage, c'est l'échange, c'est la solidarité, c'est le courage, le respect. Et c'est ce que j'ai retrouvé aujourd'hui avec tous les jeunes de l'école. Je pense que c'est important en tant que champion, on a des responsabilités envers la jeunesse. Et on a tous été inspirés, moi j'ai commencé, j'avais 4 ans, on a tous été inspirés, on a tous rêvé. Et de partager la médaille, de remercier les gens qui nous ont soutenus, d'encourager les champions de la prochaine Olympiade. Je pense que c'est important et c'est l'état d'esprit qui me porte en fait. Et comment vous avez connu le taekwondo sénégalais? Je le découvre depuis mon arrivée. Après, j'ai connu le taekwondo sénégalais par le très grand champion Bala. Et sur la scène, on était dans le même programme de solidarité francophone à l'époque. On s'est entraîné de nombreuses années ensemble. Et sur la scène internationale, c'est un des plus grands champions qui existe. Et à mon sens, c'est un des plus grands espoirs de médailles olympiques à Rio en 2016. On va espérer que vous allez nous revenir de temps à autre. Je l'espère. En tout cas, ce sera avec plaisir. Un message peut-être? Un message de rêver en fait. Il faut croire en ses rêves et il faut être la personne qu'on veut devenir. Et je pense que... Il faut incarner certaines valeurs. Nagalef. Mangifi. Moi aussi. Anna Sawaker. Tu vas pas m'aider là? Tu vas pas m'aider? J'attends toujours mon dictionnaire. Lek nga Cheboudjen, bi nga ñëw ak lék. Ah oui, mais le Yassa je préfère. Ah Yassa. On est avec le directeur technique Ababacar Sadiq Niang, vous le connaissez déjà, vous autres amateurs de cette émission qui fédère tous les sports de combat pratiqués au Sénégal. Je dis bien Sensei, il a animé cette belle rubrique portrait. Aujourd'hui, il est redevenu encore, parce qu'il a été directeur technique national. Comment, DTN, vous voyez la venue de cette grande championne Marlène aujourd'hui au Sénégal? Merci beaucoup. Je demeure... commencer par rendre grâce à Dieu de cette opportunité qui nous a été offerte par la venue de Mademoiselle Marlène. Vous savez que ces temps-ci, nous parlons souvent de taekwondo après la Coupe du monde francophone. Nous continuons à parler de taekwondo avec les Balla et consorts qui visent une médaille olympique, comme on l'a toujours dit. Balla a été sacré dernièrement par la fondation Abdou Diouf. Et le prix de l'excellence est revenu aussi à un taekwondoiste qui a été médaillé olympique. Anthony Obam. Il a été le prix d'excellence. Donc tout ça regroupé nous ouvre encore des opportunités et je crois qu'il n'y a pas de hasard. Ça fait juste appel aux autorités pour leur dire qu'on peut miser sur le taekwondo pour essayer d'avoir une médaille olympique, la deuxième médaille olympique du Sénégal. Et la médaille qui a été ici amenée par Madeleine ne fait que nous encourager. Et sa venue ici, vraiment, a été un élan vraiment salvateur dans notre programme de vulgarisation et pour faire croire aux autorités, encore une fois, que le taekwondo peut bien amener une médaille olympique au Sénégal. Voilà comment je vois la venue de Madeleine ici au Sénégal.
Voilà, amis Boudoka, amis de CNC, c'était tout pour aujourd'hui. On était à l'école islamique Rahma, comprenez la miséricorde.
tous ces jeunes enfants que vous avez vus s'adonner à cette belle discipline qu'est le taekwondo. Je les appelle affectueusement les combattants volants. Vous avez vu l'équipe dirigée par Mohamed aujourd'hui, l'équipe nationale. Vous avez vu ce champion national, Balagueye, qui fait toute la fierté du taekwondo sénégalais. Et cette championne qui nous vient depuis le Canada, il s'agit de Marlène, qui est venue nous rendre visite, qui a fait une belle démonstration aujourd'hui, ici à l'école Rahma. Mais nos remerciements vont à l'endroit du directeur de cet établissement. Il s'agit de M. Ousmane Diaye qui a eu la belle idée d'instaurer les arts martiaux dans les établissements scolaires. Quand vous formez des jeunes aux arts martiaux depuis le scolaire, à coup sûr, vous avez des hommes de demain. Ces jeunes enfants ne seront jamais dans la rue. Ils ne seront jamais des agresseurs, ils seront des citoyens comme il le faut. Mais un grand clin d'œil à la grande initiatrice de ce que vous venez de voir aujourd'hui. Il s'agit de Madame Fania Diaye qui vit aujourd'hui en Italie avec son mari. Fania, tu l'as toujours voulu que Sensei soit aujourd'hui chez toi à cet établissement. Je sais que tu nous suis parce que Sensei est suivi depuis l'Italie. Alors, vivement les arts martiaux dans les établissements scolaires. Quand je dis Sensei, c'est du didactique. Pour faire comprendre les arts martiaux dans le détail. À l'école des sports de combat, il n'y a qu'une seule adresse au Sénégal, c'est Sensei. Arigato, sayonara. Sama way ya bëgg na bi ci gën gi mi ne ana cheikh sek mi tabax juma yi ca medina ci gën gi mi ne hore sin ya len ko man ya sin ya sin bi momodou abdala ya afrika ya fi man way da wat na ma kany da war na ma suñu yone ne teral nga ñoo sagal nga ñoo Mm.